Et salut tout le monde, on se retrouve sur My Test for Fun pour un nouvel épisode. Comment dire, un épisode qui sera un épisode balade finalement en fait, puisque le but, je vous rappelle, c'était de rejoindre le 0-0 depuis le point de départ qui était le labyrinthe du Raza, qui était, sauf erreur, dans un des angles de la carte. Voilà, puisqu'actuellement on est en moins 19 000 à peu près, donc il faut marcher par ici, voilà, dans cette direction-là, si je veux rejoindre le 0-0 un jour. Ce qui veut dire 19 km de marche. Et puis, bah, ça veut dire aussi que je vais pouvoir découvrir plein de nouveaux trucs. Regardez-moi ce biome, par exemple, là, c'est juste incroyable. Des immenses falaises à pic, on arrive dans la neige, enfin, c'est juste waouh. Et un truc très fun, c'est qu'en fait, le jour où j'ai voulu enregistrer cet épisode, je me suis dit, je vais quand même remonter à la surface. Et donc j'ai fait un passage en j'ai fait un immense moment à creuser 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 d'abord à plat puis ensuite je me suis dit ouais c'est bon je peux remonter. Oh, il y a un joli petit trou là. Et en fait bah je me suis retrouvé au final dans la faille qui est juste là, donc pratiquement à 100 blocs de haut parce que je creusais vers le haut et en fait j'avais plus le temps du coup d'enregistrer donc c'était bien ballot. Mais voilà, ma foi, c'est comme ça. Donc, on va essayer de descendre un peu dans ce petit ravin. Vous noterez que je n'ai profité quand même pour récupérer quelques minéraux, quelques matériaux dans ma grotte. Il n'y a rien de fabuleux, mais enfin, ça devrait suffire. La seule chose qui manque, c'est la bouffe pour le voyage, clairement, hein, parce que j'ai quelques super apples, mais ça suffira pas. Et un tout petit peu de viande. Mais bon, c'est pas un problème, hein, on s'arrangera en tout voulu. Par contre, évidemment, je n'ai pas le droit de mourir, puisque si je meurs, eh ben, évidemment, je risque de réapparaître à un emplacement du style le spawn. Donc le but, c'est de retourner à pied, et vraiment de ne pas mourir pendant ce temps-là. Est-ce que là, je vais pouvoir descendre un petit bout, je pense. Ça va faire mal. Allez, zou, on tente. Ok. Est-ce que c'est faisable jusque-là? Oui, tout à fait. Heureusement que je connais la touche sneak, hein. C'est vraiment ultra important dans ce genre de cas. Ah, puis regardez-moi ça. C'est juste incroyable, je trouve, ces immenses falaises comme ça qui rentrent dans le sol. C'est dommage, en fait, dans un sens, parce que c'est exactement ça que j'aimerais avoir dans MFF et pas de bol. Enfin, c'est ça que je trouve magnifique. Et pas de bol, le terrain du spawn n'a justement pas ce genre de décor, puisque lui, il a plutôt, bah voilà, ce qu'on a ici, donc des falaises en terre. Mais ma foi, c'est comme ça, on n'y peut rien. Tac. J'en profite aussi pour vous dire que du coup, malheureusement, bah, j'ai plus beaucoup de temps pour faire les vidéos puisque mes études me prennent un temps de fou. Et comme si ça ne suffisait pas, l'office qui s'occupe des bourses d'études, qui devrait donc me donner de l'argent, hein, comme l'année passée. Et en fait, ils sont en mode, oui, on fait des vacances, tranquille, non, on va quand même pas se bouger trop. Enfin non. Pour simplifier, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a plusieurs bureaux qui doivent se répondre les uns les autres. Et actuellement, on est au stade où il y a plein de gens qui discutent, entre autres, de mon cas, mais on est plusieurs milliers d'étudiants dans le même cas à attendre une bourse avec des fois même 6 mois de retard, comme moi par exemple. Ça fait 3 mois que j'aurais dû avoir ma bourse et il y a 3 mois de délai de traitement de dossier. Donc en fait, ça fait 6 mois passés que j'ai déposé ma demande. Et on est des milliers d'étudiants comme ça à être monstres en galère, à plus avoir un sou et à se bagarrer avec l'administration pour avoir une petite chance de peut-être un jour enfin obtenir notre bourse d'études. Mais enfin bon, du coup, bah, ça fait aussi du travail en plus pour moi pour essayer de faire bouger un peu les choses. Voilà. Il y a un truc bizarre là quand même. Pourquoi il fait tout noir? Je regarde là, il fait blanc, je regarde là, pouf, emmené dans le noir. Je pense que le jeu considère que je suis dans une grotte parce qu'il voit que je suis pas au soleil, que. Ouais, ça doit être ça. Bref, voilà. Donc on va passer par ici. Yes. Et en fait, tant pis si on serait loin de quelques blocs. Il faut bien que je contourne hein, de toute façon tout ça. Mais c'est assez dingue, je trouve. Ça permet de bien voir un peu comment génère le terrain en fait. Et ça, bah, c'est toujours cool. Et puis, oui. Par contre, il me manquera un truc. Pour la suite, ce sera un bateau. Faut juste que je regarde ce qu'on a comme bateau parce que je crois qu'il y en a un qui s'appelle le speedboat qui permet d'aller très vite. Speed. Sauf erreur, hein. Non, on va chercher boat.
Bart, je sais plus écrire. Waterboat, je sais pas ce que c'est. Raceboat, c'est ça. Celui-là, il va vite. Ok, gravier, gravier et fer. Alors, parfait. Donc, je sais que j'ai ce qu'il me faut normalement. Est-ce que j'ai 18 de fer? Ouais, donc. Il me restera 9 après, c'est parfait. Ah, je l'ai pas vu celui-là. Oh, bah regardez-moi ça. Alors, est-ce que je vais prendre ce bloc de maize? La réponse devrait être oui. Sauf que si vous regardez bien, le S est à l'envers. Pourquoi est-ce qu'il est à l'envers? Parce qu'en fait, c'est de la maize avec un Z. Mais le S a été. Ils ont juste pris le S pour le retourner. Et c'est un bloc qui vous tue instantanément si vous le prenez. C'est un petit bloc troll en fait, tout simplement. Donc on va pas prendre ça. Par contre, on va continuer par là. Alors du coup, c'est l'occasion de tester le bateau de course, le raceboat. On peut même partir depuis là, je pense. Parce qu'on doit aller, on doit partir par là-bas en fait. Donc droit dans la neige. Par contre, pour l'instant, je constate surtout que ce bateau, boum, dès qu'il touche le sol, ok, il ralentit. Donc c'est pas le bateau à utiliser pour faire du rafting, hein. Allez, c'est parti pour de vrai. Yes. La 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 la. Oh, j'ai un bateau qui vient de spawner là. Alors lui il vient de popper, donc on est vraiment sur le terrain neuf. Puis vous constaterez qu'il y a un magnifique requin qui se promène là-bas. Alors eux ils sont super dangereux. S'ils s'approchent, mais tant qu'ils restent loin, tout va bien. Est-ce qu'il y a un coffre? Oh yes, il y a même 2-3 loots sympas. Cool. C'est bon à prendre. Parce que de base, les loots là-dedans étaient du. Était pas forcément super intéressant, enfin, il y avait de la genre sans sapling, avec son de je sais plus quoi, puis son de trucs, puis son de choses, puis son de chouette, enfin je sais plus, bref. Mais c'était pas forcément le plus intéressant du monde. Allez, on est parti, on voit bien que le terrain se génère, c'est cool. Donc en même temps, on crée du terrain neuf. Comme ça, si d'autres gens veulent faire le même trajet plus tard, ils le verront. Et puis on peut regarder le paysage qui s'éloigne. Au revoir la Terre! Je pars pour un périple de quelques siècles! Oh mon Dieu, le soleil se couche! Le soleil se couche et je n'ai pas vu la moindre petite terre depuis. Ouais, on va dire ça fait 3 minutes. C'est horrible! Je vais être dans la nuit noire, sur mon bateau, tout seul, abandonné. Ah! Terre! Terre en vue! Mais on va continuer si possible en passant à droite. Parce que j'aimerais tourner un petit peu, s'il vous plaît, merci. Parce que ça va super bien sur l'eau, en fait. Je m'ennuie pas trop à chercher les passages et tout. Et de nuit, c'est beaucoup plus safe, bien sûr. Mais regardez-moi cette génération de fous furieux. Alors, je vais augmenter un peu la lumière pour vous, hein, que vous puissiez voir quelque chose, mais c'est juste dingue. Je trouve. En tout cas, comme ça, de mon point de vue, ça fait des très belles formes. Par contre, là, ça va commencer à devenir compliqué. Je constate que je suis vraiment en train de. Je dois contourner une île ou un continent ou je sais pas quoi. J'ai aucune idée de la taille du truc, bien sûr. Donc, mais on va continuer à faire le tour, hein, c'est pas grave. Donc, j'ai au moins une des coordonnées qui. Une des coordonnées qui s'améliore, qui va vers moins. Tout va bien. Vous voyez que je suis à moins. 17 300 moins 17 900. Donc ça avance bien. Ouais, mais là je vais pas avoir le choix, je vais devoir accoster. Donc il va falloir que je passe la nuit. Et je n'ai pas de quoi passer la nuit, puisque je n'ai pas de lit. Et pourquoi je n'ai pas de lit? Parce que j'ai pas de laine. Et pourquoi j'ai pas de laine? Parce que j'ai pas trouvé de mouton, ni de chat. Pourquoi les chats? Parce que les chats. Ouais non mais on s'en fout un peu en fait. Mais. Parce que les chats donnent de la laine des fois. Enfin du. Ils donnent des fils qui permettent de faire de la laine. On va regarder par là. Ah, c'est de la glace. Ok, autant pour moi. Bon, alors si on tombe sur des moutons, hein, on leur saute dessus, on leur bouffe la gueule. Eh bien, je vois tellement rien. Est-ce que j'ose vraiment rester par là? Bonjour. Il y a quelqu'un? Aidez-moi! Est-ce que c'est moi ou ça forme vraiment un pont là-devant? Ah, là il y a un truc, je pense que ça va pouvoir se manger. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi ça? Pumpkin slice. Ok, c'était une pumpkin, autant pour moi. Ah, alors visiblement l'eau repart de l'autre côté. On va repartir par là. Nickel. Ah, et le soleil se lève. Pendant qu'on navigue. C'est drôle quand même, parce qu'on sait.
Comment? Tout à l'heure, il n'y avait rien quand le soleil s'est couché. Entre-temps, il y a deux, trois tout petits trucs pendant la nuit, mais rien de grave. Et maintenant, le soleil se lève, il y a de nouveau rien. C'est le vide. Ça se demandait si le jeu, là, il décide pas que, oh, je vais générer de la mer, ça sera plus facile. J'ai la flemme aujourd'hui. En plus, je dois faire un trajet de 18 km, de 18 km de long, donc forcément, j'ai pas très envie. Voilà. Ok, on se retrouve une fois de plus. Okay. Je vois que le soleil va bientôt se coucher. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, n'ayant toujours pas de lit et n'ayant pas pu trouver j'ai pas trouvé non plus de plan de coton. Alors, sûrement que vous en avez vu un en passant tout à l'heure. Hein. Je ne l'exclus pas. Je pense que ça vaudrait la peine. On va plutôt se mettre sur l'herbe pure parce que les monstres sont un peu moins pires. Ça vaudrait la peine de se construire une petite baraque. Alors, j'aime un truc très simple, mais qui est quand même un minimum la classe. Donc, tac. Voilà. Et là-dessus, alors ce qui est cool, c'est que je viens de regarder, comment il s'appelle, mon dieu, Aurélien Sama, qui a fait une vidéo là-dessus. Il fait plein de vidéos, hein. C'est assez cool, mais pour comment faire une maison avec du relief qui passe bien, et à défaut de suivre exactement ce qu'il dit, parce que malheureusement, j'ai pas le temps, le soleil va se coucher, bah, je peux quand même faire un truc qui est plus que le minimum. Bonjour le noir. D'accord. Bonjour le soleil! J'ai un peu craqué mon slip. Non, mais en fait, ça faisait longtemps que je voulais un peu essayer d'appliquer les conseils d'Aurélien Sama, qui donne régulièrement de ses vidéos pour construire des trucs. Et je suis arrivé sur ça, cette petite baraque. Faite vraiment, vraiment tranquillou, hein. Je me suis pas cassé la tête. J'ai pris un petit moment, mais pas non plus 2 siècles. Et puis, c'est vrai que ça donne vachement bien quand même. Donc voilà, bah c'est cool, on va le laisser en l'état, je pense, pour les éventuelles personnes suivantes qui passeraient là. Venir au moins 15 000, moins 15 000, c'est quand même pas de tout repos, hein. Il faut vouloir. Et du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se trouver, si possible, un mouton, ou une autre bestiole, ou alors du coton, peut-être, pour réussir à avoir enfin ce qu'on cherche depuis ce qu'il me faudrait depuis des heures. Ce serait ben un lit en fait. Dodo. Et mine de rien, on a quand même fait plusieurs milliers de blocs aujourd'hui, donc je pense qu'on n'ira pas beaucoup plus loin, hein, en termes de déplacement. Mais juste quand même retrouver un petit mouton. Ouh. Il y a la faille bien sûr qui passe là au milieu, sinon c'est pas rigolo. Ah. Bonjour, il y a des feuilles qui pop par terre. Bon, alors là, j'ai la preuve qu'il y a des mobs. Est-ce que lui, il peut choper des... Non, il peut pas. Il peut pas choper de flèches. On va taper avec ça. Où es-tu, petit monstre? Viens voir là. Viens là. Viens faire coucou à papa. Ouh, j'ai bien. Voilà. Sale bête. Bon, pile porc, là, il est bien gentil, mais il m'arrange pas des masses. Pastèque, ça, c'est bon à faire pousser. Allez, zou, on va faire comme ça. Feuille d'acacia, on vire. Pork chop, ça c'est bon. Ah, et bien sûr, je suis plein. Je pense que le seul endroit où je pourrais avoir un lit qui. Un lit, des moutons qui apparaîtraient, ce serait sur l'herbe là. Et l'herbe là. Un mouton! Oh oui, reste là, toi. Comment on fait déjà pour les tondre? J'aimerais plutôt faire un clic droite. Il n'y a pas des ciseaux ou. On va pas dans l'eau, va pas dans l'eau, tu vas te noyer. Ah, c'est con, un mouton. Non. Ah, je sais plus, je sais plus, je sais plus. Comment on fait ça? Est-ce qu'il faut que je le tame d'abord? À une époque, je savais, hein, donc. Ouais, ben. Bon, bah, tu sais quoi? Tac, ça me fera déjà une laine. Na. Les feuilles, on peut virer. Bon, on a une laine. Une deuxième, s'il vous plaît. Youhou! Une petite laine. Mouton! Viens par ici! Yeah! Donc, maintenant,
Comment ça marche? Je sais même plus, bien sûr. Est-ce que ce serait comme ça? Non. Ok, on va chercher bed. Ah bah ils sont juste là en fait, mais tant pis. Zou. Alors, on va regarder les classiques. Naina 3. Fancy. Il en faut même 3 aussi. C'est 3 partout? J'étais sûr que c'était que 2. 1. Ah bah parfait. Nickel. Non. Ah, il est là. Ok, nickel. Yes. On a un lit. Donc, ça n'a rien à voir avec les sticks, hein. On va remettre ça en place. Les sticks, c'est juste pour faire fancy ou normal. Moi, ça m'est égal, donc je vais prendre normal. Ok, donc il me faut 3 planches. Tac. Et des planches, s'il te plaît. Merci. 3 planches, 3 wools dessus. Bon, ça sera un lit blanc. Ça ira très bien. Je vais pas me casser la tête trop longtemps. Tac. Je peux dormir que de nuit. Et ok, les amis. Voilà, maintenant c'est fait. J'ai pu poser mon petit lit. Donc je suis devant ma petite maisonnette. Qui donne ma foi plutôt bien quand même. Je trouve. Le temps investi en fait était relativement court. Hein, donc ça vaut vraiment la peine. Si jamais, allez voir le tuto de d'Aurélien Sama qui explique comment on fait ce genre de truc. Je vais vous mettre le lien dans la description. C'est vraiment, il explique ça très simplement, très efficacement, et pour un résultat qui est vraiment au top. Donc, je vous encourage à aller regarder cette vidéo. Ça vous permettra de faire très vite des trucs très très cool. Voilà. Pour ma part, bah, je vous abandonne ici. Je sais pas quand sera le prochain épisode. Hein, comme toujours, je bosse, je bosse, je bosse. Et ensuite, une fois que j'ai fini de bosser, je regarde si j'ai le temps de faire autre chose. Ok? En attendant, laissez-moi sans autre un petit pouce de votre couleur préférée. C'est soit bleu, soit noir. En fait, le pouce rouge est une légende. Hein, si vous regardez sur YouTube, essayez une fois de mettre un pouce en bas, vous verrez qu'il est noir et pas rouge. Voilà, j'ai découvert ça en fait tout à l'heure. Et sur ce, bah, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!